Yon l'autre fois, go bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Mediana là, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager, intéressé ou pas oublier abonner avec Mombad Mediana et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Mediana là. Bien, nous va perdre du temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Mopan, unité force populaire démocratique, RASPA, escouade démocratique, Victoire Femme, Rambo, Conscience Communautaire, Renouvelé Haïti, Plateforme Victoire, COFAV, MOP Haïti, Collectif 7 juillet 2021, ensemble organisation SAYO a continué à mobiliser pour demander justice pour famille président Jovenel Moïse. Justice pour Haïti. Cette fois-ci, pas gain enquête cap rete nan tiwa. C'est ça que fait n'a demandé à autorité judiciaire yo continuer avec enquête là pour tout coupable, tout complice, tout auteur intellectuel et matériel payé pour ça qui pas gain mot pour nous qualifier. Yon petit conseil pour tout mercenaire intellectuel yo, mercenaire matériel yo, mercenaire complice yo pour dégager yo pour tête yo bay la justice. Depuis ou t'es dans complot, al joindre la justice. Créole parler, créole comprendre. Bataille pour famille président Jovenel Moïse joindre justice là avec opération ça pas campé. Il y a des émotions de tristesse, il y a des émotions de révolte et de colère, il y a des émotions dans forme de dépression et un paquet d'émotions, ouais, et qu'a traversé peuple là et qu'a traversé tout le monde qui gagne respect pour la vie. Moun ki gen respect pour la dignité humaine, moun ki gen respect pour ce bagay civilisé. Tout moun sa ou gen émotion. Même j'en tout gen des moun qui pas gen émotion. Et la vie pas vrai bien pour yo. Et pour ça yo ka touye moun, ka krasé moun, yo ka massacré moun, yo ka torturé moun. Moun sa ou pas gen émotion. C'est comme ça, avec un pile émotion, on choque que société a blanc, pour des criminels entrés par un président, massacrer, torturer, assassiner, tout y est dans la condition que tout y est là. Donc, son bail révoltant, son choc que lié pour nous en tant que nation. Un choc interne et un choc externe. Moun qui tout y est président, yo, président, là où tout y est, Jean tout y est là, son message, yo, voye bail, nous toutes. Nous-mêmes, même Jean là où tout y est des salines. Et des salines vignes, et moun noir, femme noire, garçon noir qui sortent en Afrique, est-ce que pas Jean? Il n'y a pas besoin de voir rien. Il a été touillé de ça. Il a été voué un message à tout le peuple haïtien. Et pendant 50 ans, nous ne pouvons pas parler de Dessalines. Il a été touillé le président Jovenel Moïse le 7 juin. Nous qui massacrent Lio et qui fait massacre ça à Souli. Il a voué un message à les journalistes. Il n'y a pas dire la vérité. Si on dit la vérité, même ça nous fait Jovenel là comme président, qui est une autorité dans la constitution pays, nous ne pouvons pas faire tout. Là, au massacre, au fait massacre ça sous président Jovenel Moïse, il y a eu un message tout bas juge qui dans le système judiciaire, sous fond jugement, que nous pas d'accord avec vous, même ça nous fait président Jovenel Moïse, nous ne pouvons pas faire tout. Là, au massacre, président Jovenel Moïse, Jean Yofel là, sous son banquier honnête, pas de recevoir l'argent de drogue, ou mauvais l'argent qui a entré dans le banque, il y a eu un message bas ou tout, il y a eu même bagaille, Jean Yofel massacre président Jovenel là. Qui sont policiers qui ont fait travail dans le respect de la loi et dans le respect de la constitution, ou mari criminel, qui a fait 100 peuples à couler, ils ont un message baou tout. Message que baoua, même gens ont massacré le président Jovenel là, ils ont massacré ou même tout. Ce sont les leaders politiques, dit la vérité, qui m'ont dit pour réformer le système, nan, craser le système nan, qui empêchait femmes noires, garçons noirs, vivre tout bon. Système ça qui a la majorité des pays dans la misère. Sous son leader politique qui vient parler de ça, il voit un message bas autour. Il y a massacré, même gens, il y a massacré le président Jovenel. Ils sont commerçants, ils ont fait petit commerce dans le respect de la loi, pour faire profit normal, pour pas n'en rien, pas ça. Eh bien, les gens qui ont blanchi l'argent, qui n'ont pas d'accord, ils ont massacré, même gens, ils ont massacré le président Jovenel Moïse. Et c'est pour ça que dans l'exercice qui a fait là, depuis au fin tout le président. Criminel, yo fin tout le président le 7 juillet, nous devons relayer l'exercice ça parallèlement à travail la justice, la police a fait. Nous-mêmes, là, nous avons un travail qui relaye enquête populaire. Enquête populaire, c'est pour le président de justice. Enquête populaire,
c'est pour pas ban nous deux trois petits bouquets émissaires que nous qui pas gain moyen qui pas gain qualité propre qui dépenser pour faire opération ça puis gars ou pas vinn ban nous c'est des petits poissons comme si c'est fait crime là et puis on est à protéger gonnet c'est pour ça enquête populaire ça là les samedi n'a pas enquête populaire faut nous garder toute théorie enquête populaire pour nous lever en bas tout roche qui fait pour nous garder ça en bas roche qui fait ça. Enquête populaire, n'a pas gardé à droite, n'a pas gardé à gauche, n'a pas gardé dans le mitan, n'a pas gardé tout partout. Où sont gros poissons en l'air, où sont petits poissons en bas qui participent dans le massacre contre le président, eh bien, faut que nous joignent. Donc, jusqu'à ce que nous joignent, nous qui touillons le président, n'a pas fait enquête populaire le samedi, ensemble. Habillez l'autre enquête populaire, c'est un coup son jeu de patience pour lui. Qui sont jeux de patience? Il y a des gens qui l'aiment dire ça, il y a des gens qui savent des jeux de patience. Il y a des gens qui ne doivent pas prendre. J'ai de patience là, c'est comme d'ado, bon photo. On dit c'est photo papa. Et puis, ils font une belle photo papa. Ils ont une belle morceau carton. Et puis, ils ont coupé morceau carton ça, dans plusieurs petits morceaux qui gagnent une forme différente. J'ai de patience là, pour aller se joindre chaque morceau pour entrer dans la place. Jusqu'à ce qu'ils pour rebâtir la photo. Enquête populaire, son jeu de patience. Dans le jeu de patience, ça, dans pile morceau que nous allons découvrir ensemble. Mais il y a trois gros morceaux que nous coupons en six morceaux dans l'enquête populaire. Premier gros morceau qui a plusieurs morceaux avec forme différente là-dedans, c'est le morceau financier. Alors, que pour monter une opération comme ça, il faut gagner 20 à 30 millions de dollars. Mais il y a 6 personnes dans le pays qui ont moyen ça. Il faut nous joindre tout bout là. Pour habiller, nous sommes dans le domaine légal. Nous dans le domaine constitutionnel et nous dans le domaine politique. Les nap gade, premier morceau financier. On bagay pou pa bliye comme peuple, les nap gade morceau financier, on bagay pou pa jan bliye. Nous non système. Dans le système que nous y a, moun ka brase go l'argent yo, yo tout chita ensemble. Que yo te lavalas, que yo te unité, que yo te vérité, que yo te calé. Mais quel que soit son, moun ki met système yo, il va dire couleur politique. Yo gon green couleur li rele l'argent. Lire les corps, lire les intérêts, lire les pouvoirs. Pas oublier ça, l'on a cherché morceau financier. Morceau financier, président Jovenel Moïse, c'est manuel fort pour créer le système. Morceau financier, président Jovenel Moïse, dans Blackout. Il y a eu 3 milliards, 900 millions, il s'est coupé. Il y a eu un produit pétrolier. Il y a eu un jeune trafiqué goud. Il y a eu un fait raquette, il y a fait dollar. L'immanel nan jan nèg yo t'ap piye dans l'ONA. Quel que soit côté nèg yo t'ap piye dans l'État, nous c'est moins un système nan. Donc, côté financier, qui dépense 20 à 30 millions de dollars pour voir massacrer le président, on a regardé tout aspect financier ça. Les enquêtes populaires, ils ont rebâti photo. Photo, c'est qui ça y est. Crime qui fait contre le président, qui est-ce qui fait? C'est ça photo. On a essayé de construire photo pour nous mettre sous photo ça. Tout le monde qui est dans le crime. Donc, nous sommes parlé des premiers pas. Dans la photo, c'est mon sou financier. Qu'est-ce qu'il a dedans? 20 à 30 millions de dollars par qui baille pour tout le président, qu'est-ce qu'il a dedans? Deuxième morceau dans la photo qui nous a bâti, c'est complicité en dans la police. Complicité en dans la police, là, nous allons garder deux côtés. Premier côté pour nous garder, c'est dans le commandement de la police. Là. En dans la police, là, on a regardé deux côtés. Premier côté, il faut nous retourner le 7 février. L'air a gagné un complot pour tout le président 7 février, il a gagné pour mener le président Jovenel Moïse tabac, pour massacrer le tabac. Les gens qui étaient dans cette opération, ça, c'est le commissaire de police et Marie-Louise Gauthier avec le juge dans la Cour de cassation, Yves Kel d'Abrézil. Malheureusement, nous passons enquête après le 7 février. Il faut que nous jouions qui monde qui derrière nous. Parce que tout le président. Le 7 juillet, c'est continuité tentative pour tout y est là, le 7 février qui va réussir. Donc, qui est en dans commandement la police? Parce que l'inspectrice générale Marie-Louise Gauthier, trois petits pour le monter en plan politique comme ça pour tout y est président. Qui moun, comme au gradé, qui en dans la police? Ou bien qui moun, comme ancien au gradé la police, qui pas dans la police? Ou bien qui moun, dans qui secteur politique que Marie-Louise Gauthier teye? Ça, pour nous joindre comme premier côté pour nous garder dans la police, pour nous joindre qui est, qui touille, président Jovenel Moïse, question que le peuple a demandé chaque jour. Deuxième côté pour nous regarder, c'est en dans palais national. En dans force police là, en dans palais national. En dans palais national, il y a trois côtés pour nous garder.
Parce qu'il y a trois forces en dehors national qui ont une responsabilité spécifique dans protéger le président. Il y a ULGPN, il y a CATIMNA, il y a USP. Nous allons garder tous les trois. Mais nous allons garder particulièrement USPA parce que c'est lui-même qui vient pour protéger le président, il est dans résidence privée. Contrairement à ça, la police a dit, jouez tout le président, pas de 21 policiers en roi. Il y a 7 grands policiers, avec dit bon arrangement qui était fait, pour que il y a 7 grands policiers seulement qui sont dedans. Qui est 7 grands policiers ça a été, et qui est qui fait arrangement ça, pour que ces 7 grands policiers qui gagnent, parce que selon le règlement, le minimum policier qui est le président, c'est 42. Comment faire 7? Nous sommes doux, nous avons monté juste patience là, et nous faisons une enquête populaire. Premier bagage, on va regarder, c'est la partie financière, côté gros poisson, gros requin. Deuxième aspect, nous allons regarder en dans la police, en dans commandement avec Marie-Louise Gauthier, qui est qui était connecté avec lui, et nous devons dans le palais national, et côté gain, trois forces dans le palais, USP, USGPN avec Cathy. Troisième côté, comme composante, nous allons regarder ces composantes politiques là. Nous avons joint un parti dans la composante politique qui touille le président. Premier parti que nous joignons dans la composante politique qui touille le président, c'est John Joel Joseph qui est dans l'unité, un sénateur unité qu'il était, avec Badio Joseph qui est dans l'unité et qui était trésorier qu'à louer machine côté mercenaire ou servi à machine ça pour aller massacrer tout le président la caille. Donc, en deux parties unité, nous ne pouvons pas dire que tout le monde dans l'unité, non. Bon branche criminelle en de partie unité que nous confirmer pour y a qui participer dans tout le président. Est-ce qu'il y a une autre composante et politique à pas de unité qui n'a troisième nan les nappés garder bagaille. Donc moi-même ça parle avec vous là, nous sommes spécialistes dans le développement politique. Il y a un exercice que yo fait nous fait comme monde qui spécialiste dans le développement politique, yo l'exercice à simulation. Qui est la simulation? On prend tous les paramètres qui sont disponibles. Vous mettez ensemble et vous faites simulation. Simulation qui permet où est qui touille le président. Simulation qui permet où est dans combien de temps enquête institutionnelle là n'a pas de résultat. Dans 6 millions que je fais d'ici jeudi, vendredi prochain, dans la simulation, pas moi, je prends 15 jours pour la police, la justice, tout gros secteur économique qui participe dans tout le président, tout le monde dans la police, dans le palais et dans le commandement police qui touille le président, et tout le monde qui est dans la coalition politique qui massacre le président. Dans la simulation qu'il fait, la prend 15 jours. Si nous quittons 15 jours passés, il n'y a pas de nous, mais il n'y a pas de faire pour ça. Pour moi-même, je dis à qui c'est le 10e jour que vous touillez le président, pour moi-même, la police gagne tout donné au nom. C'est ça pour qu'on calague. Après, c'est ça pour vous. Mais nous 15 jours pour joindre. Mais en fonction du développement qui fait, les gens qui ont arrêté, vous avez en anglais, lead, avec dit que les références qui ont joint, preuves qui ont joint, je dis à ne doit pas garantir avec vous, au moins dans deux composantes, composantes politiques et composantes économiques, la police compte tout le monde qui participe là-dedans. Composantes, et dans la police, il y a quelques monde, mais il faut que tout le monde. Il y a travail pour joindre. Je vous dis avant de parler avec vous là, sur le 10e jour après que le président mourit. Dans le niveau nord, là, nous mobilisons toutes les autorités. Autorités aux gens d'Abdou, nous avons des délégués départemental nord, là, nous avons tous les délégués, nous avons des associations maïsaïs dans le nord, nous avons des cas avec eux et avec eux. Donc nous avons les amis du président Jovenel, donc c'est une entité de la société civile, nous avons les boîtes déconcentrées de l'État. Au niveau du département, normalement, nous avons travaillé en synergie pour permettre normalement nous Kembe, nous faire sensibilisation, motivation autour de funérailles et président, comme on connaît, président, il est du nord et du nord-est, en titre du Grand Nord. Donc en fait, nous obligés de bailler monsieur un hommage bien mérité et un funérailles bien mérité pour monde qui est président pour non seulement pour payer, parce que ouais, le président Jovenel. Parmi tous les présidents qui passent dans le pays d'Haïti, nous sommes capables de rendre nos comptes. Ce n'est qui compte le pays. Ce n'est qui compte le pays, qui compte tout le département, qui compte toute commune. Et c'est dans ce sens-là où MCT a une sensibilité pour que véritablement l'idée fait un bagage pour le pays. Donc, je suis là,
Donc c'est un coup dur pour les Haïtiens, c'est un coup dur pour le monde en plein 21e siècle. Et à l'ère, côté de nous, ère démocratique, à 218 l'année d'indépendance, pour aujourd'hui à la, tout président, tout le monde qui chef qui voulait son bagage, tout le monde pays. Donc en fait, on prend pas parti saline. Donc ça veut dire aujourd'hui à nous, un président Jovenel qui mouille à la manière de saline. Donc en fait, dans ce sens, nous-mêmes, les nordistes, on parle de tout pays, parce que aujourd'hui à la, c'est Haïti qui prend coup. Et c'est ça que Jean-Louis Abdoula, par contre, qui est ce monde qui sent-il gagnant. Parce que si on fait politique du pouvoir, donc ça veut dire qu'on voulait qu'on parle si peut-être bon mandat pour travailler pour lui. Depuis réellement pour le travail pour le peuple, par contre, il y a un problème avec le président Jovenel, parce que ça, le président Jovenel t'a fait. Ça, il y a une équipe président Jovenel t'a fait. Donc c'est des bagailles que le pays a besoin. Question agriculture, relancer l'agriculture, capter de l'eau qui parle dans la rivière. Et Frère Mabdou, pour tout auditeur agriculteur, capitaine Demla. Si le monde qui voyage dans des pays, même la République dominicaine, les rois la mettent là, tout de l'eau, même de l'eau la pluie, ils ont capté, ils ont voulu arroser pour que normalement, nous ne peuple dominicain manger. Et un bon pays, c'est comme ça. Et bien, c'est le président son nez qui arrive, son nez qui voyage, qui voit belle bagaille, qui compte bon bagaille, et qui mette le travail du peuple haïtien. À ce sujet, nous organisons nous là, donc nous avons plusieurs commissions, parce que lorsque tant de présidents des outils restent assez pour le peuple là, mais dans quelle logique l'été initié l'idée ça. Les regardez, depuis 218 l'année d'indépendance, mais vous prenez tout pays, 5 à 10% du monde pour un pays, pour tout ça qui est dans le pays, rien pour la masse, rien pour la classe moyenne. Et que l'été rendu compte, si ça arrive une jeune là, il faut le gourmet avec l'oligarchie pour te permettre véritablement que la chaîne aussi qui choye dans le passage sous tête pays, et te privé et pour te concentrer dans le sens ça. Nous avons un curiel d'activité. Sauti de mardi pour jusqu'à vendredi funéraire président, nous avons un paquet de gros activités que nous avons déjà commencé, nous initier dans le nord-est. Et pour le nord, pour le cap haïtien, nous sommes capables de dire depuis mercredi. Mercredi, c'est côté toutes 19 communes, Maïs à Kaze, qui nous même nous avons des propres et journées d'hommage à l'endroit, à l'honneur du président de la République. Et nous, et jeudi, c'est gros maman Pemba, côté normalement, tout le monde a fait là, tout 19 communes là, tout partisans, c'est partisans. Et même l'autre monde qui n'a pas parti politique qui rend mieux compte, président Jovenel, hier a été mal compris réalité. Je veux dire, on rend mieux compte, président Jovenel, c'est ton nez qui t'a bataille tout bon pour les Haïtiens. Et bien nous-mêmes tous, nous invitons tout le monde qui pas de main ou trempé dans le moment, président Jovenel. Des fois, tu as main trempé, peuple là, connaît, tu raillé, président Jovenel. Peuple qu'on est ou tapoté, ou yon nan moun qui participe, ou bien qui cautionne, ou bien qui participe nan détruit grand rêve des haïtiens. Et frère, à travers tout pays dans le monde là, toute diaspora, nous sommes plus gros calot, plus gros gifle au point. Et bien dans ce sens, nous-mêmes, qui reste corps, président Jovenel, qui n'est pas assassiné, qui mange, qui reste là. Nous réclamons maintenant, et c'est ça que fait dans quatre planifications, comité départemental, largement, qui a planifié funérailles président, n'a travaillé en synergie avec le comité national, là, et que normalement, pour nous bailler au directif, sous qui type de funérailles, qui n'a pas bailler président, nous, hein, un président qui était remis pays, et où tu es capable de garder maintenant, on prend de côté, mettons des pompes d'eau pour arroser terre, on se décote, on a capté, que ce soit la tannerie, que ce soit la rivière Marion, que ce soit où tu es capable de caravane, changement pour te permettre, on se décote, peuple n'a pas de jambes de route, on se démalérer, malheureux, qui n'a pas de jambes de possibilité pour courir arriver la caillou. Donc c'est grand rêve ça, que nous avons gagné, que le président a gagné. Et je vous dis là, pendant la planification funéraire président, n'a mobilisé, n'a conscientisé, n'a éduqué, n'a évangélisé pour le peuple la connaît très clairement. L'ennemi ça y était là avant 1804. Il continue à plat en 2021. Et il a toujours existé, toujours, si réellement le peuple ne pas mal connaître. C'est dans ce sens-là, nous avons un paquet d'activités. Et nous avons sur Radio Guinée. Je dis, c'est gros maman Pemba, côté normalement, on a mobilisé toute force vive du département. Pour permettre normalement, non seulement nous pouvons gagner une messe en l'honneur du président qui a fait la cathédrale du Cap-Haïtien, ensuite nous pouvons gagner une marche au flambeau
côté, tout partisan, c'est partisan allié, normalement, toute autorité, maïsra, kazek, avec tout le monde dans tout département, les autorités, les boîtes déconcentrées de l'État, normalement, pour nous, albaï, président, pour nous montrer le monde, pour nous montrer le monde, nous, ça, qui ont assassiné, qui ont mangé là, c'est pas n'importe qui monde qui est le c'est ton équipe qui est rêve, et c'est sous les idéaux, c'est sous les présidents qui, normalement, nous-mêmes, non seulement n'a pas fait funéraire là, mais n'a pas mobilisé juste la IMI pour réclamer justice pour le président nous. Justice pour frère nous. Justice pour yon qui te mette vie en holocauste pour te changer les conditions d'existence de Haïti. Donc en fait, c'est non, ça nous embarque nous là, de Radio Guinée, nous connaissons nous-mêmes toutefois accès, tant que la France, tant que plus à notre pays, côté mettre là, il faut des solidarités, il y a pile manifestation, pile match pacifique qu'a fait pour faire des solidarités vis-à-vis ak barbarie. On voit ak ça, ak capuler ça, qui fait à l'endroit de nos présidents élus par les peuples. C'est pas quelqu'un qui est nommé, c'est pas quelqu'un qui a donné coup d'état pour arriver au palais national. C'est quelqu'un qui a été mandaté par le peuple haïtien. Donc je vous dis là, nous pas d'accord quitter les haïtiens. Pas besoin de dire nous-mêmes, les haïtiens, pas besoin de camper derrière deux monde qui ont un rêve. Et ça fait la demande des familles, président, ramasser courage, madame Martine, la demande de ramasser courage à Desbois. Moi-même, là, il s'agit de ça parlé là. Donc nous-mêmes, dans le département, dans toute commune, dans toute section communale, nous avons mobilisé, nous demandé tout le monde. Et vendredi, funérailles, président, absenté, la caille, la caille papal, côté papal, vient enterré pour la déposer. Pour le reposer en paix. Et nous-mêmes qui étions qui gagnent la vie, qui a recevoir humiliation, qui a recevoir question, incapable de faire toutes sortes de justice dans le pays, ça, avec oligarchie qui par exemple la masse passée, qui par exemple les éléments de la classe moyenne émerger, nous-mêmes nous avons mobilisé, nous avons conscientisé nous, pour nous travailler un seul homme, pour nous travailler dans la solidarité, dans l'union fait la force. Pour que véritablement demain matin, pour calotte ça que nous n'avons pas là, pour demain matin, nous avons une petite soirée qui est député, qui est sénateur de la République, qui est président, pour que nous connaissions 10% de la Pacagoumé avec 90% de monde qui a souffert dans le pays. Nous qui pas de l'eau, nous qui n'avons pas de caille, nous qui n'avons pas de côté pour été, nous qui pas de courant, pas de route. Donc, bataille, ça n'a pas mené. Nous qui n'avons pas côté pour de l'école. Malheureusement, ce qu'on a à la belle étoile, c'est bataille ça qui président nous en est, qui nous t'est voué dans le palais national là. C'est bataille ça nous t'est mené, nous t'est voué le mené. Et c'est nous sommes ça, nous dans la famille, nous dans nous-mêmes dans l'ordre, nous en cachons. Et c'est tout le pays, pendant ma parole là, Guinée, c'est tout le pays qui a mobilisé pour faire masse ça. Et juste même après le mort président Lionel, nous avons continué qu'un des flambeaux mobilisation. Sous vision, nous sommes de nous vérifier avec le pays. Donc, je vous ai cassé un journal. Vous cassez un journal, mais vous cassez tout journal. Parce que conviction idéologique, c'est ça qui mène nous. Et lorsqu'il y a un journal, il y a 10 millions, 50 millions, millions de journal pour ne pas connaître. Vous connaissez le journal Moïse, mais est-ce qu'on est dans le cap, dans le nord-est, dans la Tibonie, dans le bateau central, dans le nord-ouest? Est-ce qu'on connaît tout ce que nous avons fait? Et je dis à l'échelle internationale, tout diaspora nous, mais même un paquet d'étrangers qui a fait manifestation, qui a mobilisé, qui a demandé justice pour le président Jovenel. Et frère, bien côté, n'a dit ça, bien côté mal calculé. Donc, pendant le travail pour nous, c'est fini avec le président Jovenel, n'a continué à mobiliser, malgré les forces nous ensemble, pour nous gouverner contre force noire qui parlait à Haïti changer, qui parlait pays à libérer, qui fait diaspora nous, nous perdons dans le pays, qui fait jour de là, nous mettons système de sécurité jusqu'à arriver tous les présidents. Tant que nous commençons à nous tuer, on peut nous faire accès. Et puis, on a là, je dis à tout le monde, clair. Je veux dire, la insécurité, kidnapping, non, tout le pays est clair, qui veut nous mettre lui. Le général a été absenté du même côté des papas présidents, son sarré, village, souhait. Ils ont l'autre nom scientifique, mais communément appelé village, son village SOS. Alors, toute grande activité, oui, sortie de Jodilin jusqu'à
jeudi a fait dans la ville Loukap, en plus la crise qui a fait à travers 19 communes. Mais maintenant, quand tu as fini le président, donc lui-même l'a chanté dans la cour, papa et côté papa président, et M. Moïse est entré, donc c'est là dans la zone, et dans la zone, dans la commune quatrième, mais il y a un autre scientifique qui est zone là, mais tout le monde connaît la zone sous zone SOS, village SOS. Cérémonie d'inauguration du local, logeant la direction départementale de l'Ouest. Cet acte que nous posons ici aujourd'hui s'inscrit en droite ligne d'une décision qui a été prise par le commandant en chef, M. Léon Charles, de procéder à une subdivision de commandement du département de l'Ouest. En effet, le dit département est réparti en deux branches, l'Ouest 1 et l'Ouest 2. Une façon de faire une meilleure gestion du département et mieux répondre aux besoins de sécurité de la population. Nous voici réunis cet après-midi dans ce nouveau local qui va loger la direction départementale de l'Ouest 2, couvrant les zones suivantes: Tabar, Croix des Bouquets, Cité Soleil, Lagonave, Cabaret, Alcaye, tandis que celle de l'Ouest 1 a sous sa responsabilité Keskov, Pétionville, Delma, Port-au-Prince, Carrefour, Léogane, Gressier, Petit Gouave et Grand Gouave. C'est le commissaire divisionnaire Cliven Setout qui occupe le poste de directeur départemental de l'Ouest 2. Dans le but d'optimiser le rendement de la police au niveau du département de l'Ouest, sur le plan sécuritaire, le directeur général de la police nationale d'Haïti, supporté par le CSPN, a jugé bon de diviser le dit département en deux directions ainsi dénommées, direction départementale de l'Ouest 1 et direction départementale de l'Ouest 2. Pour cette nouvelle expérience, le directeur général a jeté son dévolu sur moi. Je vous remercie pour la confiance placée en moi, monsieur le directeur général de la police nationale d'Haïti, et je vous promets de donner le meilleur de moi-même en vue de répondre à vos attentes. Ma mission, dans le contexte sociopolitique actuel, est d'améliorer la situation sécuritaire au niveau du département. Pour la réussite d'une telle mission, en tant que directeur départemental de l'Ouest 2, je vais devoir compter sur le soutien logistique du gros commandement. La collaboration de différents responsables de juridiction, des cadres intermédiaires, des agents de police, des personnels administratifs et aussi des autorités locales et d'autres couches de la population. Depuis 20 ans environ, le département de l'Ouest en général et la zone métropolitaine en particulier fait face à des problèmes de tous ordres qui nécessitent des solutions innovantes. L'explosion démographique avec comme corollaire la création de nouveaux quartiers et de nouveaux pôles économiques dans les grandes villes a augmenté de manière significative les responsabilités qui incombent en matière de sécurité au directeur départemental de l'Ouest, lequel n'est plus en mesure de s'acquitter de tous les devoirs de sa charge dans une juridiction aussi étendue. De plus, la lutte engagée contre les gangs armés, lesquels sont disséminés en divers endroits de cette juridiction, a rendu nécessaire le découpage de la direction départementale de l'Ouest en deux juridictions distinctes avec le même niveau de responsabilité. Fort de cette logique opérationnelle et après avis du haut commandement, j'ai décidé de créer la direction départementale Ouest 2 qui disposera de toutes les structures administratives et techniques prévues pour les directions départementales de la police nationale d'Haïti, à commencer par ce bâtiment qui lui servira de siège. Le directeur départemental Ouest 2 aura pour compétence sur toute la partie nord du département de l'Ouest.
et rendra directement compte de son action à la structure de la police nationale d'Haïti. Monsieur le directeur départemental, en vous remettant ce bâtiment, ordre vous est donné de prendre toutes les mesures nécessaires et utiles en vue de rendre cette structure efficace, active et viable. Bon oui, nous c'est lycée Oasis Aventure, qui c'est centre pour élèves de deuxième année fondamentale. Et l'examen a commencé jeudi 19 là. Pas gagné des difficultés, même des difficultés mineures, nous pas enregistré et pour le premier jour là. Ça veut dire tout bagaille et commencer exactement très bien à l'heure qui t'a dit qu'il y a nous pas venu des élèves qui. Nous pas venu. En fait, tout est bien. Bon, ça a commencé très bien. Premier examen, c'est communication française qui a commencé à 9h, pour nous aller faire 11h30. C'est 2h30 examen au chronométré. 9h-11h30, ça c'est communication française, c'est mon final communication française là. Ici, c'est 12 salles qui ont gagné. 12 salles à raison de 26 élèves. On connaît à cause de maladie COVID-19 et obligé de éparpiller les lieux, c'est 26 candidats par salle comparativement à premier. Et examen qui compte 30, qui compte 33 candidats par salle. Absolument, tous élèves indistinctement gagnent masse. Moi-même, masse pas là, tout élève gagne masse, tout surveillant pour masse, tout superviseur pour masse, tout le monde généralement quelconque pour masse. D'ailleurs, le ministère a été offert nous des masses, si vous toutefois un candidat qui n'a pas gagné masse, nous gagnons masse pour tout candidat indistinctement. Nous gagnons une communication française qui était 9h pour 11h30, nous gagnons la science expérimentale qui a commencé à 1h pour 2h30, 1h30 et demi. Le colorimétrie pour sciences expérimentales qui est là, je ne peux pas le faire là. Et demain, si Dieu veut, je ne vais pas gagner la tête moi. Demain, si Dieu veut, c'est communication créole, je suis capable de gagner la langue, mais je ne vais pas gagner exactement la tête. Mais demain, si Dieu veut, je vais gagner trois examens, je vais le faire. Bon, de façon générale, c'est les vieux, c'est préparation. Tout dit, les vieux, pas tant ces derniers moments pour préparer. Les examens, son évaluation sommative qui est liée, qui. Fait à partir de tout un programme. Moi, examen à la portée de tout élève, je souhaite à ce que s'il y a des irrégularités, le ministère a corrigé, mais pour le moment, tout est bien. En fait, pour moi, l'examen était vraiment bien pour moi parce que normalement, j'étais étudiée. Pour moi, il était vraiment, vraiment bien. En fait, je fais examen français, communication française, et puis je m'arrête pour faire sciences expérimentales. Oui, j'ai une difficulté après, je viens de mettre tête en place, je travaille et puis je joue tout ça, je vais gagner. Concernant deux pays qui pas trop normal, je dis que j'étais comme un petit panique sur les étudier parce que toujours j'ai gagné des ordres dans le côté de ma vie là, mais ça ne peut pas empêcher de m'étudier. Par exemple, je prends obligation ça pour chaque jour. Pour me lever, pour me repasser le son, puis tout ça. Mais pas un trop gros problème pour moi avec ça. Normalement, épreuve là, l'été en petit genre, comme si nouveau, moi, ça a été me stressé. Mais comme je suis étudié, ça va t'empêcher de me faire tout effort pour me bien composer. Oui, je suis stressé avant l'examen et jusqu'où je suis stressé. Mais quand même, je pensais que je passais tout examen en bien. Je n'ai pas de difficulté pour m'étudier, non? En fait, je n'ai pas étudié français. C'est compréhension, capacité, mais je vais tout faire. Il n'est pas difficile, non, mais il a bien fait parce que la situation au pays a été très difficile. Je suis content de faire là. Je ne vais pas mentir, il y a quand même une mal pour nous. C'est ce que nous avons, nous avons mal étudié. Ça ne va pas être un peu de temps. Je vais me dire, nous, nous avons passé dans la tête. Nous pas bon, on va passer dans la tête. Je vais demander au ministère pour gérer ça pour nous. On va gérer ça pour nous, parce que nous avons mélangé pour nous. On va tellement stable dans l'école là. On va me dire, nous. Nous allons aller pour la caca, c'est ça, comme j'ai examen pour nous, pour nous bien bas. J'ai un examen là, on fait des examens et puis global, il fait mal pour nous. Il dit que dans pour l'état j'ai ça, même les gens en salotant pour ne pas faire des examens. Oui, ma pensée, c'est que je me sens bien composé. Pour notre Simon, je me sens que ça va trop mal pour nous. Juste, Simon qui va composer, qui a été pour courage, parce que là, deux par un bague qui t'a pour faire venir composer. Gagne dans salement là moi gagne élève qui va venir composer ma connait ça qui va venir composer. Oui moi c'est trop bien géré. Oui il y a voté élève. Oui moi t'ai raté je l'école parce que voilà quand moi les m'a descendre là rien compte chose à cause que
m'a raté jouer l'école. J'ai ici, j'ai pas besoin de suivre des examens, que je mette mon courage. Et pas pas tant vivre une composée. Si ça arrive, je ne vais pas venir composer, que je prends courage, que je ne vais pas décourager, l'autre année, je retourne encore. J'ai ça qui est le problème, là, c'est gérer pour gérer à cause du pays, il n'y a pas bon. Hein. Pour être qui chance à venir. L'examen était très bien, l'examen était passé très bien. Pour tout le bagage était passé très bien. Matière, grammaire, français. Et collège classique intégré de Delma. Même que nous ne pouvons pas tout le programme, non, bon. Nous faisons ça en café. Il était difficile pour les gens qui vont étudier. Nous souhaitons un succès. Nous souhaitons une bonne réussite. Il était très bien. Nous faisons tout le programme pour nous. Nous ne pas de difficulté pour nous décomposer. Succès pour tout le monde qui passé et puis pour réussir. J'ai examen pas mal pour moi parce que je suis bien composé grâce à Dieu. J'ai la dame patron, je suis l'école mixte de cerveau, Simon 6. J'étais bien composé là parce que je suis bien à l'ENS. Examen pour moi était très bien grâce à Dieu. Pour les gens qui étudient là vraiment très bien, mais si on ne pas étudier tout ça, on va trouver vraiment difficile. Nous allons dire tout le programme, mais en fait, nous allons dans le séminaire, tout ça. Coup de rattrapage pour permettre nous que nous capables dans même longueur d'onde ensemble avec examen. Je souhaite que nous toujours à la hauteur pour eux, puis capable toujours pour que le ministère là pas trop condamne ça, pour pas trop dur, pour pas pour examen pas trop compliqué tout ça. Jeudi en ce premier jour examen 9e année fondamentale, nous dans le collège Lavoisier de Homélus, dans ma 19 rue Macandal. Donc nous capables dire jusqu'à présent tout bagage passé très bien. Pas gagné des ordres, si nous nous comportons très très bien. Et pour le premier jour, ni pour le premier examen, là, nous avons gagné que nous avons reproché parce que tout le bagage marchait très bien. Les gens qui ont vraiment, le ministère a toujours fait tout ce possible pour le gérer. Mais année ça, dans le collège Lavoisier de Homélus, nous n'avons pas rencontré cas côté que des gens qui ont un nom qui mal écrit. Et nous n'avons pas rencontré cas tout côté des gens qui n'ont pas une fiche. Tout le bagage marchait très bien jusqu'à présent. Il y a encore assez tôt. On a dit ça parce que pour l'examen français que vous faites là, moi je suis très réjoui. Après l'examen, je suis content, je dis l'examen était à la portée de vous. Donc nous ne pouvons pas pour le prochain examen, vous avez pu faire si il y a des difficultés. Mais pour l'examen français, malgré que vous avez un problème, mais moi je proposé assez bien. Bon, pour les avoisés, je mets à la disposition des élèves des moyens pour que vous-même soyez capable de désinfecter mes yeux, mettez de l'eau, puis laver mes yeux, mettez alcool. Et puis exiger de porter masque parce que nous disons masque obligatoire juste pour éviter propagation maladie COVID-19. Jusqu'à présent, ça va pour le collège. Et vous avez remarqué sous la cour là, par rapport à l'espace que nous avons, nous n'avons pas quitté ou sorti puis à le faire va-et-vient dans la rue parce que ça arrive, il y a quelques difficultés. Mais si vous êtes dedans, vous n'avez pas rien comme problème. Ça fait que nous quitter quand vous avez constaté là sous la cour là. Bon, moi-même étant que directeur de l'école là et responsable centre là, je souhaite que les jours bien déroulés pour Simonio, puis proposer dans la paix et dans la sérénité pour qu'ils soient capables de réussir. Parce que ce sont des années qui sont vraiment difficiles et je demande au ministère à tout, pour faire tout ça qui est possible pour qu'ils soient capables d'accompagner Simonio, comme ils ont déjà commencé à accompagner déjà, puis accompagner jusqu'au bout, juste pour ne pas perdre l'année scolaire. Les planifications sont déjà faites et dans quelques minutes, nous allons commencer avec la distribution de textes. Et nous pensons que les gens ont commencé matin. Tout le monde va dérouler très bien. Nous avons 12 salles ici, à raison de 26 élèves par salle, ce qui nous fait une cohorte de 312 candidats. Et nous avons déjà gagné un texte là, nous avons les neveux pour nous bailler. Et puis, tout le matériel est à l'heure, tout le monde est devenu très tôt, nous avons tout le monde dérapé. Vous bien que vous faites là beaucoup d'amour, vous motivez pour bien composer. Oui. Oui. Quelle matière on fait matin? Français. Avec sciences physiques, biologie, sciences naturelles. Français, on a point pour composer matin? Oui. Oui. Donc, comment y a-t-il l'école là pour? Vague. Vague. Mais qui côté vous sortez? Dans quelle école vous sortez? Vertière. Vertière? Oui. Ok. Nous connaissons Vertière, c'est une école qui. Non, nous sommes toujours vague là. Ça veut dire. Pays. Sur la situation socio-économique, politique pays. Oui.
Vous pas fait toute année l'école là et à travail? Oui, on fait toute année l'école à travail. Vous faites toute année à travail? Oui. Mm-hmm. Et donc, même là, vous pourrez examiner, vous êtes déjà confiant que vous avez réussi? Oui. Mm-hmm. Ce qui base, vous avez réussi. Comment? Ce qui base, d'abord, qui ça faut penser, vous avez réussi? Parce que je suis en tête, moi. Vous êtes en tête. Et vous travaillez tout pour l'année? Oui, je travaille. Comment l'année a été dans le fiscal? Mal parce que j'ai mal à l'école, donc je ne peux pas aller. Donc, bah, là, c'est des constats sur tout côté de l'école, là, son côté qui tout le temps. Il y a une manifestation, un peu de base, tout le temps. Ça fait répercussion sur l'année de l'école, là? Oui, parce que je ne peux pas aller à l'école, surtout côté de l'école, là, déjà. Son côté qui tout le temps, il y a problème des femmes qui ne peuvent pas venir à l'école. Est-ce que sous base ça, ou cap un prétexte ou pas passé? Peut-être que c'est ça qui fait ça? Non, non. Parce que moi étudié. Ça c'est ok là. Donc nous pouvons recevoir aucune doléance, examen qui est arrivé à temps, surveillant yola, petit monde yola. Et on a fait pour nous examiner à 9h. Donc nous souhaitons que tout le monde aille passer. Bien pour bien notre collectivité alors. Et pour nous-mêmes, papa ici, donc nous avons une année qui a réussi à 90%. Parce que nous avons un professeur qui a pris un bal Matissan. Mais pour qualité monde que M. Satéye, M. Roosevelt Petit Patéye, il était tourné en booster tout petit monde pour travailler plus, pour étudier plus. Et j'ai été dit, là, c'est promotion Roosevelt Petit Fa. Donc, il y a travail pour bah, le meilleur, parce que c'était le meilleur professeur de l'établissement. Vous comprenez? Donc, nous autres, nous avons eu une bonne année. Ça, il faut le dire. Professeur nous, en dépit de toute situation difficile, ils ont toujours répondu à l'appel. Vint travailler à Timignon jusqu'à un dernier moment, ils là. Tout le monde qui n'a pas gagné cachet, donc les cachet qui sont disponibles pour tout le monde. Et si vous regardez ça, vous tout encore comment vous arrangez. Donc, il va vraiment. Nous avons gagné 40 élèves par classe. Année ça là, nous avons 26 élèves par classe. Ce qui fait que la distanciation est respectée, oui, plus ou moins. Mais nous avons gagné la même quantité de monde que nous avons gagné dans l'année antérieure.
Voilà. Et merci avec tout le monde qui était branché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous nous abonner avec chaîne là. Et toujours songez pour activer petite cloche là. Les nous la gon vidéo pour capable joindre nous son babes à chercher pour nous. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde. Une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.